Voici tout ce qui va changer pour les transports rémois à la rentrée 2024. La ligne de bus 3 va être reconfigurée, finie les saturations aux heures de pointe, elle ne desservira plus le lycée Raymond Coppa, qui sera pris en charge par la ligne 1. La ligne 3 desservira en revanche le campus du Moulin de la Housse et l'UT. La ligne 11, qui reliait Gare Centre et Croix du Sud, deviendra deux nouvelles lignes. La partie nord deviendra la ligne 20 entre Gare Centre et Moulin de la Housse, et la partie sud deviendra la ligne 10 entre Moulin de la Housse et l'hôpital Debré, ce qui permettrait de réduire la longueur de la ligne et d'éviter des problèmes de régularité. Plus aucun bus ne passera par Opéra à cause des travaux en cours dans le centre-ville. Il faudra donc, à partir du 2 septembre, choisir un autre arrêt de bus proche d'Opéra ou effectuer une transition à l'arrêt Gare Centre. La plupart des communes du Grand Reims seront-elles desservies par des cars à fréquence régulière avec un car toutes les heures entre 6h30 et 20h30 du lundi au samedi. Ces cars se répartissent en 7 lignes express reliant respectivement Reims à Cormicy, Saint-Étienne-sur-Suippes, Wormeryville, Bétheniville, Val-de-Velle, Ville-en-Tardenois et Fismes. Cette offre est complétée par du covoiturage, les lignes expérimentées jusqu'alors par le Grand Reims sont confirmées et le service s'étend pour permettre de rejoindre les gares de Fismes, Jonchery et Rilly-la-Montagne, en plus du transport à la demande qui permet de rejoindre une autre commune, arrêt ligne express ou gare TER. Et enfin, bonne nouvelle pour les étudiants et leurs parents, l'abonnement annuel en service illimité passe de 267 à 200 euros.